Hello les amis, on se retrouve bien sûr sur la chaîne Les Loisirs de Nanou pour un petit déballage Oraloa. Bah oui, vous avez vu, c'est Oraloa. Bah oui. Donc, en attendant que je vous montre ce que j'ai craqué, je vais vous expliquer bah pourquoi. J'ai eu depuis 15 jours des deux semaines assez difficiles, aussi bien boulot, morale, physique. Enfin, c'était très, très, très compliqué pour moi ces derniers jours. Et puis, quand on va pas bien, bah, on va se promener sur le net. Et puis, on se dit, oh, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter ci, j'aimerais bien m'acheter ça. Et puis là, comme par hasard, je vais sur le site d'Oraloa. Puis, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai mis dans ma wishlist? J'étais en train de voir, ah oui, ma wishlist in English. Mes préférés, voilà, de mes toiles Oraloa. Et donc, du coup, je suis allée voir, j'ai mis, qu'est-ce que j'avais mis dans ma wishlist? Parce que bon, quand vous me connaissez, j'en ai quelques-unes des toiles Oraloa. D'ailleurs, je vous promets, je vais faire une vidéo pour vous montrer combien j'ai de toiles Oraloa, c'est promis. Combien j'ai de toiles d'ac, combien j'ai d'autres toiles. J'avais prévu de faire un truc, puis je pense que je ferai un petit jeu avec. Mais bon, faut que je trouve le temps, malheureusement, j'en ai pas. C'est très compliqué pour moi en ce moment, je rentre tard, je suis fatiguée, donc voilà. Mais donc, pour continuer mon blabla, je suis allée voir sur ma wishlist et j'avais mis la toile que je vais vous montrer là, dans ma wishlist depuis très 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 longtemps. Et je suis tombée sur une vidéo, alors je ne sais plus laquelle des filles qui l'avait déballée. Et je la regardais encore et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est trop belle, elle est trop belle. Oh là là, celle-là. Et puis, j'ai dit, bon, allez, on va attendre un peu, on va voir, il y a peut-être des choses qui vont arriver. Je sais qu'Oraloa va sortir des choses pour Halloween, va sortir des choses pour Noël. Donc, je m'étais dit, bon, bah, t'auras le temps. Ton anniversaire arrive dans quelques semaines. Je me suis dit, bah, tu vas pouvoir le mettre dans ta wishlist anniversaire. Ouais. Ouais, ouais. J'ai essayé de me raisonner. Hein. Et puis, lundi, je vous explique encore, hein, j'ai pas fini. Hein. Lundi, j'étais au boulot et mon bureau, il est face à l'endroit où on mange, c'est-à-dire où on a micro-ondes, machine à café, le lavabo et tout ce qui s'ensuit. Et là, au-dessus de la machine à café, il y a un gros mur blanc. Et là, je me suis dit, mais tiens, cette petite toile, si tu la faisais pour la mettre dans le bureau. Bon, je ne sais pas si je vais rester encore ce jour-là, parce que pour l'instant, je ne vous cache pas que je suis tellement crevée et que comme ils ne nous aident pas dans le boulot, donc je ne sais pas si ce que je vais faire sur mon avenir professionnel. Mais du coup, ça m'a trouvé une raison pour faire clic, 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 clic. Et voilà. Donc, j'ai pris cette toile et vous allez comprendre pourquoi. Donc, avant de qu'on regarde la toile, on va regarder ensemble les petits cadeaux goodies d'Oraloa. Donc, comme vous savez, Oraloa, nos amis, nous a changé les petits cadeaux. Là, en ce moment, c'est la période d'Halloween. Donc, ils nous ont changé les petits cadeaux qu'ils nous offrent. Donc, on va regarder ensemble, ok? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le. Alors, si vous avez vu ma vidéo où j'ai acheté mes accessoires, je l'avais déjà eu, ce petit plateau Halloween. Donc, je le garderai. Je pense que je collerai un aimant. Et puis, je vous l'offrirai lors d'un concours. Voilà, si ça vous dit, j'ai un petit concours qui arrive là dans pas longtemps. Donc, je le mettrai pour un de vous. D'accord? Vous êtes d'accord, hein? Bon, eh ben, ok. Il a dit oui. cherchez pas. Bon, on a la petite carte. Donc, Oraloa. Oh là là, en fond, là, c'est je pense, une belle nouveauté qui arrive, là. Elle a l'air d'être jolie. Donc, Oraloa. Nous avons le site internet. Nous avons l'adresse mail, Facebook, Instagram. Et alors l'autre, je ne sais jamais c'est quoi qu'il y a dessus. Je vois pas, je vois jamais. Je ne sais pas. Bon, c'est peut-être Twitter ou autre chose. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est de les trouver sur le site www.oraloa.com. Voilà. De toute façon, vous cliquez Oraloa maintenant dans la barre de recherche de Google, vous tombez direct sur le site. Alors, ensuite, ah oh bah tiens, on va regarder ça. Oh, c'est tout mignon ça. C'est une petite boîte. Oh, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, une petite quête sirène. Alors, j'en avais déjà eu une autre fois. Elle est jolie, celle-là. Et du coup, je les ai collées sur ma boîte à sachets à thé. Oh, une tortue. Une tortue.
Ah, c'est quelque chose dans mon cœur, la tortue. Voilà. Ipiti fantôme. Bouh. Ouais, je fais bien le fantôme. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des petits cailloux. On se croirait à la plage. Oh, c'est trop bien. Et les petits autocollants avec des étoiles de mer au fond. Oh, c'est trop sympa, hein? Moi, j'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Merci, Auraloa. Donc voilà, on a la fameuse petite carte qui vous permet de gagner une toile quand on gratte-gratte. Et donc si on a trois petits tiki qui sortent, et ben on gagne une toile. Voilà, donc on grattera à la fin si vous voulez ensemble, promis, comme la dernière fois. On a les nouvelles cartes. Ah, les belles, celle-là, je l'ai vue sur le site Auraloa, mais... Je l'ai vu ou je l'ai pas vu? Ah non, on l'a pas vu celle-là. Ah, ça doit être une nouveauté peut-être qui va sortir. Ah oui, il y en a une qui ressemble. Ah oui, effectivement, j'ai dit des bêtises. Et celle-là aussi, je pense qu'à mon avis, ça va être une toile qui va sortir. Mais celle-là, je l'ai déjà. Bon, eh ben, on verra s'il y en a qui veulent faire des échanges. Hein. Donc, on pourra faire des échanges. En tout cas, super sympa. Autocollant, Hawaï. Oh, Julie, quand est-ce qu'on va à Hawaï? Et ce Mimi autocollant. Donc j'en ai déjà collé un sur ma boîte. Je pense que je vais en coller un sur mon PC. Que je vais en coller un parce que je pense que je vais faire d'autres commandes et que je vais en avoir d'autres sur mon notebook. Que je vais coller aussi sur mon ordinateur. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les petits cadeaux qu'Auraloa nous offre. Franchement, c'est trop bien. On gratte ensemble à la fin. Comme ça, si je gagne. Vous serez tous témoins, d'accord? Allez, je vous reprends et on déballe la toile. Le temps que je mette le téléphone en hauteur et je vous reprends tout de suite. Et voilà, j'ai déballé. Donc, mais qu'est-ce que ça peut être? Alors, vous avez réfléchi depuis que je vous ai montré les goodies? Qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme toile avec les indices que je vous ai donnés? Bon, c'est facile quand même, hein. Je pense que les fans, ils doivent savoir. Alors, un indice. C'est une de mes illustratrices préférées d'Auraloa. Ça va pas vous aider. Une, parce que j'en ai quatre. Il y a du rose. Ça non plus, ça va pas vous aider. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Allez, on regarde le tout kit. Et on déballe la toile et vous allez voir tout de suite. J'avais bien envie de faire ce côté suspense. Donc, la petite nouvelle pince d'Auraloa. Alors moi, je ne l'utilise pas. J'en ai deux, trois. Donc, s'il y en a qui ça les intéresse, n'hésitez pas. Vous me laissez un petit message. Vous m'envoyez une enveloppe timbrée, puis je vous l'enverrai. Sans aucun problème. Le plateau blanc, le pain de colle bleu dans le petit pot habituel. Et le chnoch pour pas avoir mal aux mains. Voilà. Donc, moi, j'utilise pas. J'espère qu'un jour ou l'autre, Auraloa nous proposera avec ou sans kit. Parce que du coup, ben moi, je vous avoue que ça ne me sert pas. Parce que j'ai ma pince, j'ai mon stylet, je pose à la Blue Dot. Donc voilà. Allez, on regarde les diamants, on regarde la toile. Alors, on regarde la toile. Alors, je vous ai dit, j'ai quatre illustrateurs préférés chez Auraloa. Donc, c'est au cas où hein, que vous voulez me faire un cadeau pour mon anniversaire. Hein. Mais par contre, j'en ai plein. Hein, donc, vous allez être mal barré. Alors, j'aime Vaillonnette. Qu'est-ce que j'aime? Qui est leur Vaillou, je crois, de mémoire, son prénom. J'aime Dominique Davidson. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est paysage. J'aime Julie Couchen. Bon, avec les combis Volkswagen obligés. Et. La quatrième, c'est qui? C'est Laure Philippon. Voilà. J'adore Laure Philippon. J'adore ses dessins. Elle a des super trucs. Si vous avez des enfants, allez voir. Elle a des livres, elle a des coloriages. Voilà. J'attends qu'une chose, c'est que mon petit-fils y grandisse pour pouvoir lui prendre des coloriages Laure Philippon. Il y a des images de ouf, mais de ouf, de ouf. Cette femme, elle est douée, mais enfin voilà quoi.
J'espère un jour qu'elle sera encore plus connue et qu'il y ait beaucoup de gens qui connaîtront ses dessins parce que c'est vraiment. Mais des, enfin, les visages, les personnages enfantins, tout ça, c'est super mignon. Donc allez voir ce que fait Laure Philippon. Elle a un gros Facebook, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous alliez voir. N'hésitez pas, l'année dernière, elle avait fait un calendrier que j'ai pris. Donc je pense qu'elle va sûrement refaire un autre calendrier. Enfin, j'espère, je croise les doigts pour qu'on en ait un sur l'année prochaine. Voilà. Bon, l'avantage est que c'est le calendrier qu'elle a fait. Il n'y avait pas les samedis et les dimanches. Donc, vous pouvez le réutiliser d'une année sur l'autre. Mais bon, quand on est fan, voilà. Moi, je pense que si elle fait un calendrier, il sera pour moi. Bon, alors, vous avez trouvé, puisque je vous ai donné quelques indices. Machine à café, le petit déjeuner, le point repos. Bon, c'est pas compliqué, hein. Tadam! Tadam, tadam, tadam! Voilà l'impératrice des arômes. Vous la voyez bien? Oh, elle est super belle. Il y a Isa, là, ma copine Isa de la chaîne Zaz et le Diamond Painting. Alors, je crois qu'elle a fini. Oh, je me rappelle plus. Oui, elle a fini. Elle a fini. Oui, j'ai des bêtises. Elle l'a fini. Elle est trop belle. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la chaîne d'Isa si vous voulez aller voir au niveau de sa vidéo. Elle avait fait une vidéo. Oh, mais voilà. Et quand j'ai revu la vidéo de la personne qui venait de la recevoir, oh, j'ai dit, mais non. Mais non, il faut que tu l'apprennes. Parce que imaginez que vous avez une toile préférée sur Oraloa. Puis que vous dites, oh, bah, j'attends, je verrai plus tard, machin, tout ça. Et puis qu'elle elle se fait plus et qu'elle sera plus rééditée. Eh bien, vous avez bien les boules graves. Voilà. Donc, je m'étais dit, je ne fais pas l'affaire tout de suite. Parce que, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop professionnellement ce que j'y va se passer pour moi. Et je me dis, si je fais ça pour le boulot et puis que je suis partie, ça m'emmerderait de la laisser. Bon, enfin, je ne vous cache pas que je partirai avec. Mais bon, ça m'a trouvé une excuse. Hein. Voilà. Elle est sublime. Ah là là, elle rend trop bien en vrai. Hein. Elle est vraiment belle. Alors, on a 50 couleurs. Donc, comme vous avez pu voir, eh ben, c'est du rose. Du rose. Oh là là, sachet de rose, là. On va bien en manger. Hein. Donc, bien sûr, du carré. C'est de la version 2. Donc, voilà. Je ne vais pas vous les sortir parce que ben, vous les voyez. Donc, là, c'est le premier sachet. Il y a du rose fuchsia. Il y a du noir, du marron pour les cheveux. Et le deuxième sachet, on a encore du rose. On a du B5200. Et on a des AB. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas regardé combien on avait d'AB. On en a un, deux, trois, je pense. Trois AB. Voilà. Donc, j'ai pris en carré parce que du coup, bah, moi, j'aime le carré chez Oraloa. Le rond est parfait aussi, mais franchement, le carré, c'est ce qui. Enfin, voilà. Pour moi, c'est les meilleurs sur le marché. Voilà. C'est Oraloa number one. Et ça n'est que mon avis, hein. Donc. Il y en a qui préfèrent DAC, il y en a qui préfèrent Meet of Asia, il y en a qui préfèrent Design. Comment il s'appelle le clan que je peux pas blairer que je peux pas blairer, que j'aime pas. Oh, comment il s'appelle celui-là là? Ah, Dreamer Cauchemar, Dreamer Design, voilà. Ma toile que j'ai pas finie, qu'il faut que je finisse, mais franchement, ça me plaît, donc ça me plaît pas. Voilà. C'est dit. Tant pis, je l'ai dit. Allez, on regarde les petites étiquettes. Donc, toujours cette superbe planche d'étiquettes. Voilà, vous avez donc le logo sur la planche d'étiquettes. Le nom de la toile qui est donc Impératrice des Arômes. Le nom de l'illustratrice, donc là, c'est bien Laure Philippon. La taille, 71 par 71. Et donc, la référence sur le site Oraloa. Et donc, on a les petites étiquettes. Hop, qui s'enlèvent. Voilà, je ne vais pas trop les décoller, après, ça ne recolle plus. Qu'on peut mettre sur nos boîtes. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a 50 couleurs. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais moi, je les découpe, les petites images qu'il y a sur les étiquettes, comme c'est autocollant, et je les colle, voilà, un peu partout, parce que je trouve qu'ils sont trop jolis. Je l'ai dit à Oraloa, ça serait bien que s'ils pouvaient les mettre en étiquette autocollant, qu'on puisse juste aller les enlever pour éviter de les découper. Mais du coup, je ne sais pas si un jour ça se fera, mais bon, je leur ai donné cette petite suggestion. Voilà. On va regarder ensemble. Donc, je vais chercher les sachets et je vous reprends. À tout de suite. Et voilà. Donc, on se retrouve. Voilà les trois couleurs de diamants AB qu'on a. Donc, on a un jaune et deux roses fuchsia. Voilà. Donc, à mon avis,
quand je vois le peu de couleur jaune qu'il y a sur le dessin, la référence, c'est donc la 973. C'est des petites étoiles. Et donc, pour moi, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est dans les papillons. Voilà, là, on a des AB, la jaune sur le papillon. Et alors, par contre, où est-ce qu'ils nous ont mis les roses? Est-ce que c'est aussi dans les petits papillons? Est-ce que c'est dans l'écharpe? Peut-être là-dedans, peut-être. 47, c'est une petite flèche vers le bas. C'est du 602 AB. Alors, donc effectivement, on en a ici, là, dans les petits papillons, dans les cheveux. On doit en avoir un peu dans l'écharpe, peut-être. Oui, on en a un petit peu dans l'écharpe. Donc, effectivement, un petit peu ici. Donc, voilà, pour faire ressortir Monsieur Papillon. Donc, ça, c'est le... Je ne vous l'ai pas montré, pardon. Là, c'est le 47. Et le 46, qui est donc le 601. Donc, c'est un rose qui se ressemble aussi pas mal. Voilà. Et donc, qui est représenté au niveau du symbole par une petite flèche qui va vers le bas. Et donc, s'il y en a dans l'écharpe, voilà aussi. Ici, est-ce qu'on en a dans les... Et on en a dans les papillons. Voilà, c'est vraiment pour faire ressortir ça. Moi, je pense que je glisserai quelques petits cristaux. Là, là, dans ses yeux. Je pense que j'en glisserai un petit peu dans les papillons aussi. Et peut-être un petit peu là, dans la tasse, pour faire ressortir la tasse. Le fond, je... Non, non. Le fond, j'y touche pas, je vais laisser comme ça. Et dans les cheveux, peut-être au niveau des mèches, on verra. On verra, on verra, quand je le ferai. Voilà. Elle est trop belle, hein. Franchement, elle est magnifique. Allez, je reprends mon petite étiquette et on va gratter ensemble. Allez, on y va, on gratte, gratte. Alors, on y va, on va faire un gain à la suspense. La dernière fois que j'ai gratté, j'avais trouvé deux tiki. Mon cœur, il a été palpitant. J'ai vu, je ne sais plus qui m'avait laissé un commentaire qui m'a dit oh, « Nanou, quand j'ai vu que tu avais les deux tiki, je me suis dit « C'est bon, tu as le troisième. » Bah non, pardon. Bon, alors là, on en a un. On a un petit tiki. Et je crois que c'est moi le barré. Hein. Et ben, on en a deux. Je gratte bien, je vérifie bien, que je fasse pas de bêtises. Vous êtes d'accord, hein? Il y en a deux. Bon, eh ben, comme on dira la prochaine fois. Voilà. Eh ben, écoutez, les amis, je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous. Un grand merci encore à tous d'être présents. J'apprécie énormément tous vos retours, vos petits messages et tout ce qui s'ensuit. La chaîne, elle grimpe, 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 grimpe. Donc, c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc, allez. Aloha.